Et voilà, on est au bord d'Ohio et on s'apprête à monter le stand avec Chloé. Let's go! Bordeaux-Ohio, cette année, la thématique, c'était les femmes. Moi, c'est un sujet qui est très, très important pour moi. Le staff de UNUP à Bordeaux est 100% féminin. J'ai la chance de diriger l'agence de Bordeaux. J'ai la chance d'être accompagnée de Justine et Chloé sur la partie recrutement. Et aujourd'hui, au sein des collaborateurs, à peu près 20% des effectifs sont des femmes. Et c'est rare dans l'IT. Là, actuellement, je vais sur comment permettre 100 millions de logging sans interruption. Donc pour moi, c'est un truc quand même qui est essentiel parce qu'à l'heure actuelle, au monde d'IT, on voit que, en fait, surtout pendant la période Covid, il y a pas mal de sites qui ont planté justement pour ce genre de choses. Donc du coup, c'est quand même un truc super intéressant. Top, vas-y, viens, on y va. Ouais, on y va, go. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, donc vaut mieux qu'on parte à l'avance. Depuis ce matin, on fait pas mal de conférences autour de l'IT. Bon, j'espère que c'est la présentation. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment est-ce qu'avec Clips, on a réussi à on va se trouver une place. Un événement majeur. Je vais voir de pionnières à oublier l'histoire des femmes dans la tech. C'est déjà un peu le thème de Bordeaux-Ohio de cette année, la place des femmes dans la tech. Et c'est plus un peu intéressant aussi de voir d'où on vient et qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes avant dans la tech. Jusqu'aux années, je crois, 80. Et après, il y a eu un espèce de renversement où là, il y a eu plus d'hommes dans la tech que les femmes. Et c'est bien de pas oublier. On vous emmène dans les coulisses. C'est parti! Et bah à toutes. Non, pas encore. Tu peux aller t'installer à côté de Marine, elle est là-bas. Mon Insta n'a jamais été aussi actif. Ben me revoilà. Voilà, je sors de la conférence. Donc moi j'ai bien aimé la présentation en fait, parce qu'ils ont su faire en toute transparence en fait avec ce qu'ils ont dû mettre en place pour réparer toutes sortes de bugs, etc. pour éviter justement qu'ils aient un certain nombre de blocages. Franchement, il y a des choses que je ne connaissais pas et ça tombe super bien. Du coup, je vais... C'est ça, je vais pouvoir le mettre en place en fait sur mon... bientôt à l'avenir pour mon client ou sur mes petites applications perso. Je recommande franchement, c'est... faut le refaire revenir.